Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler produits et surtout test produits. Donc, ça va avoir un rapport avec le frein, donc tout simplement le liquide de frein. Aujourd'hui, on va tester un produit qui permet de tester le liquide de frein. Vous l'avez vu, j'ai repeint entièrement mon garage parce que vous me l'avez demandé. Vous m'avez demandé de le peindre en blanc tout simplement pour retirer un petit peu ce côté rougeâtre dégueulasse des briques, mais aussi pour mieux y voir au niveau de la clarté pour les prochaines vidéos. Donc, c'est chose faite. J'ai pris le temps hier de repeindre entièrement le garage et j'espère qu'à la caméra, ça vous plaît bien mieux que ce que c'était avant. Je vous laisse me marquer ça en commentaire si ça vous plaît, si c'est mieux pour le visuellement pour vous de regarder les vidéos avec un environnement blanc comme ça. Est-ce que c'est pas trop clair? Est-ce que ça fait plus propre? Tout ça, mettez-le moi en commentaire. Mais je reviens sur le centre de la vidéo qui est aujourd'hui ce petit stylo. Alors ce n'est pas un stylo, c'est un appareil au format stylo. Tout simplement, c'est un testeur de liquide de frein. Avec ce produit-là, on fait quoi? On teste tout simplement du liquide de frein. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur les freins. Donc de ce petit appareil là qui coûte moins de 10 euros sur internet, vous avez juste à ajouter une petite pile et ça fonctionne, c'est hyper simple d'utilisation et pour moi c'est ce que tout le monde devrait avoir dans sa voiture, c'est bien plus important qu'une boîte d'ampoule. Pourquoi? Parce que tout simplement le frein, je vous l'ai expliqué, enfin le liquide de frein se charge d'humidité. L'humidité c'est quoi? C'est de l'eau contenue dans l'air. Ce fluide là a la particularité de capter cette eau là, donc cette humidité là. Cette humidité-là va faire perdre les caractéristiques thermiques de ce produit-là qui est censé résister à une chaleur et donc à une compressibilité. Le fait de charger en humidité, elle ne tient plus la chaleur et elle devient compressible. Si elle devient compressible, tout simplement, sur un long freinage, votre liquide va bouillir et vous allez perdre les freins. Donc, si vous êtes dans le cas où votre liquide de frein est mort et que vous avez un freinage d'urgence et que vous perdez les freins, et bah c'est l'accident. Et c'est pour ça que pour moi, cet appareil-là est primordial et vous devrez tous l'avoir chez vous. Je ne fais pas du tout de pub, je ne connais même pas la marque de ce produit-là. On peut l'avoir sur plein de sites différents, c'est Brake Fluid Tester, donc vous voyez, moi je l'ai acheté tout simplement, ça vaut entre 8 et 12 euros livré selon la marque qu'on prend. Et tout simplement, ce petit stylo que je vais nommer comme ceci, a des graduations. Vous avez 5 voyants lumineux, donc c'est vraiment très simple, vous n'avez pas besoin de lire, vous n'avez rien besoin de faire, vous mettez ça dans le liquide et vous regardez les voyants. Quand c'est vert, tout va bien. Quand c'est jaune, votre liquide va être bien doit changer. Quand c'est rouge, il est important de faire changer votre liquide. Donc si vous le savez, vous le faire vous-même, faites-le. Si vous ne savez pas le faire, rendez-vous dans un garage le plus proche ou du moins votre garage que vous avez l'habitude d'y aller et demandez-lui de remplacer ce liquide de frein. Ce sera pour votre sécurité et pas pour autre chose. Donc ce petit appareil-là est muni en fait d'un petit embout comme ceci et donc va venir mesurer la conductivité du liquide, donc du fluide, là en l'occurrence du fluide de frein. Donc on va tremper ce petit stylo-là dans notre fluide et tout simplement on appuie sur le bouton en haut. Voilà, une lumière s'allume et donc là, il n'y a aucune conductivité parce que tout simplement, on est dans l'air. L'air n'est pas conducteur. Par contre, si je mouille mes doigts et que je le mets, là, on va avoir de la conductivité et donc on va passer. On va faire le test tout de suite. Voilà, vous voyez, là, on a de la conductivité, c'est rouge. Tout simplement parce que j'ai ajouté de la salive et la salive, c'est conducteur. Donc, voilà un petit peu comment fonctionne cet appareil-là. Donc là, aujourd'hui, on va faire différents tests. On va déjà tester mon Cayenne. Et oui, je vous donne des conseils que je n'applique pas forcément. Je devais vidanger mon liquide de frein de Cayenne qui avait été fait quand je l'ai acheté. Mais comme vous le savez, je suis assez maniaque et j'aime bien reprendre l'entretien entièrement. Sauf que je n'ai pas eu le temps de le faire depuis parce qu'entre le boulot, la chaîne YouTube, la mécanique, etc. Faute à moi, je ne l'ai pas fait. Donc tout simplement, ça va me servir également pour faire la vidéo. Donc théoriquement, le liquide de frein de mon Cayenne a en gros un an et demi. Donc c'est pas non plus catastrophique sur le papier, mais je pense qu'il va bientôt être à faire. J'ai également pris un bidon. Ce bidon-là a à peu près un an et demi, qui était stocké dans mon garage, qui est à l'abri de l'humidité, etc. Mais le fait d'être dans un conditionnement acier va en fait favoriser la dégradation de ce liquide-là, parce que tout simplement, l'acier, ça condense. Et quand ça condense, il ne faut pas utiliser ce genre de produit qui est stocké depuis plus d'un an, deux ans chez vous. Et là, je n'ai pas fait le test, on va le faire à la caméra, mais je pense que si je le verse dans un récipient et que je le teste, mon liquide ne va pas être vert, il va peut-être être jaune. Tout simplement parce que certes, il ne l'a pas servi, certes, il n'a pas été soumis à la chaleur, mais en fait, le fait du conditionnement qui lui est en métal, il y a forcément eu de la condensation et forcément le liquide a dépéri. Donc si je peux vous conseiller, si vous l'utilisez d'un coup, prenez des bouteilles en métal. Si vous prenez une bouteille que vous n'avez pas utilisée tout de suite, prenez une bouteille en format plastique. C'est tout simplement pour garder au mieux le produit.
Donc cette histoire de condensation et donc d'humidité dans le produit. Donc je vais mettre ça dans un récipient, on va tester. On va tester également sur mon Porsche Cayenne et ma Maserati. Et comme ça, on va pouvoir savoir quand est-ce que le liquide est bon ou pas bon. Et ça vous permettra de visualiser directement sur ce petit stylo-là le bon fonctionnement. Ma Maserati, le liquide a été changé quand je l'ai acheté. Donc je l'ai acheté, je dirais, janvier-février. Donc le liquide date de janvier. Donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août. Donc le liquide a tout simplement 8 mois. Donc on va voir, comme ça on va avoir du 8 mois, on va avoir un bidon, donc ça c'est de l'huile qui n'a jamais été utilisée mais qui a été juste stockée, et on va avoir mon Cayenne où ça doit avoir à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et bah c'est parti, on passe tout de suite à la caméra portative et je vous montre ça. Bon voilà les amis, on se retrouve sur la caméra portative. Alors je vous fais un petit tour un petit peu du garage, je vous montre un petit peu ce que ça donne, vous allez me dire ce que vous en pensez, si c'est mieux avant. Donc voilà, là on est sur l'établi, l'autre côté, la porte. Et donc voici un petit peu, moi je trouve que c'est quand même vachement mieux niveau, niveau luminosité mais aussi niveau rendu visuel. Ici avant c'était tout rouge, c'était vraiment dégueulasse la brique rouge. Et bon je vais pas réparer les murs, hein, ça reste un garage. Mais le fait d'avoir mis une couleur unie finalement ça fait quand même un peu plus sympa. Et je pense que vous à la caméra ça va être vachement plus lumineux. Donc j'ai quand même pas mal de rampes d'halogène. Donc ici, mais le fait d'avoir du blanc ça reflète nettement mieux la luminosité. Et je vous montre un petit peu sur le moteur, ici c'est vachement plus sympa. Et même au niveau des carrosseries, c'est super joli. Donc quand je vais refaire un petit peu de détailing, entre guillemets, parce que je me prétends pas pro de la carrosserie, mais ça va avoir des résultats vachement plus sympas à la caméra que ce que j'avais auparavant. Donc on va se recentrer un petit peu sur le sujet, donc qui est le liquide de frein. Donc là, tout simplement, vous voyez, j'ai un petit récipient ici. Je vais mettre donc un bidon tout neuf, mais qui est ancien, de liquide dedans. Voilà, hop, il suffit pas d'en mettre 50 litres, hein, juste de tester. Donc là, je prends tout simplement mon petit testeur. Voilà, je appuie dessus, hop, on l'allume et tout simplement on le met dedans. Et là, vous voyez, voilà, mon liquide est neuf, jamais utilisé et pourtant il est jaune. Et bah pourquoi il est jaune? Tout simplement parce qu'il a été stocké dans un bidon en acier. Et ce bidon-là a condensé et donc a chargé le liquide en humidité. Donc finalement, mon liquide est neuf. Il n'a jamais été utilisé, mais il est plus bon. Ce liquide-là, il ne faut pas le mettre dans une voiture. Parce qu'un liquide qui est jaune, c'est un liquide qui, dans 6 mois, est rouge. Et donc, dans 6 mois, un liquide qui est dangereux. Donc, attention, si vous stockez vos liquides, privilégiez les bidons en plastique. Ce n'est pas moi qui l'invente, je vous montre. Texto, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est en fait le phénomène qui se produit sur un véhicule, notamment quand il dort dehors. Donc, plus le véhicule est soumis à l'humidité, et forcément, plus la dégradation du liquide se fait. Je prends un petit sopalin, parce que sinon, je vais en mettre un petit peu partout sur le Porsche Cayenne. Donc, sur le Porsche Cayenne, cherchez pas midi à 14h votre réservoir de liquide de frein. Il est tout simplement sous la baie de pare-brise. Vous avez deux vis plastiques ici, on y accède. Donc, on retire cette petite trappe-là. Donc là, hop, on va dévisser. Un petit chiffon pour pas en mettre partout. Et là, à mon avis, on va être assez surpris du résultat. Donc on allume le petit appareil, voilà. Et on le met, et voilà. Alors, voilà. Clairement, c'est rouge. Donc là, il n'y a pas de doute, mon liquide est totalement mort sur le Cayenne. Donc là, il faut impérativement que je le change. Et très sincèrement, je m'en doutais parce que quand je freine avec une remorque, donc les freins chauffent plus et je n'ai pas la même sensation au pied quand je freine juste le véhicule que quand je le freine avec une remorque accrochée derrière. Donc je m'en doutais un petit peu qu'il était rouge et c'est pour ça aussi que je vous ai fait la petite vidéo pour vous donner plusieurs exemples. Donc là, malheureusement, je n'ai plus de liquide de frein neuf, donc je ne peux pas vous montrer du vert. Mais je vais aller en acheter pour faire justement mon Cayenne, donc courant de la semaine ou du moins courant du mois de septembre si j'arrive à me dégager un petit peu de temps. Et donc quand je vous le ferai, je vous ferai le petit tuto sur la vidange de liquide de frein du Cayenne et je vous ferai ce petit test, donc c'est avec ce petit outil là justement comme quoi bah maintenant on est passé en vert parce qu'on a du liquide neuf. Et bah écoutez, on quitte l'atelier, on va dans mon sous-sol et on va tester la Maserati qui elle a 8 mois. Et bah c'est parti, je vous emmène. Bon les amis, voilà, on se retrouve dans mon sous-sol. Donc là forcément c'est un environnement un petit peu plus sombre. En même temps, ce qui est plus sombre c'est surtout la Maserati. Donc là voilà, à côté de ses amis les granulés, hein, bah, il faut la chauffer la bête. Hein. En plus de bouffer du carburant, elle a besoin de chaleur. Donc c'est parti, on va aller regarder un petit peu sous le capot. Donc cet état de liquide de frein. Donc hop,
Voilà, je vous montre un petit peu le cœur de la bête. Donc je rappelle le V8 4 litres 2 de chez Ferrari. Donc voilà, très joli moteur quand même, hein. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est ça. Donc forcément, c'est un petit peu moins joli, mais c'est tout aussi important. Donc là, même topo, on rappuie, on l'allume, voilà, LED verte qui se met. Et là, on le plonge dedans. Et là, vous voyez, il est jaune. Donc voilà, c'est vraiment l'état que j'espérais. Je me suis dit qu'il allait être jaune, le Cayenne rouge et mon bocal jaune. Et ben finalement, je me suis pas du tout trompé. Donc là, voilà, un liquide de frein qui a 8 mois. Donc il était neuf. Le bidon, c'était un bidon plastique. Je crois que c'était de la Motul, si je vous dis pas de bêtises. Et donc on peut voir que à 8 mois, pourtant la Maserati dort exclusivement dans le sous-sol. Donc sous-sol chauffé, maintenu à température grâce au chauffage de la maison, parce que le sous-sol est enterré, donc il est naturellement isolé. Et la Maserati fait entre 7 et 8 000 km par an, donc là elle doit avoir dans les 5-6 000 km, et on s'aperçoit que le liquide est déjà devenu jaune. Donc voilà, c'est quelque chose qui n'est pas à prendre à la légère, ça c'est pour moi l'outil indispensable. Allez, on se retrouve dans le garage. Bon les amis, ça y est, on se retrouve dans le garage, c'est un petit peu mieux, le contexte est un peu plus sympa. Donc voilà, pour en finir sur ce petit appareil donc de testeur de liquide de frein, je veux faire un petit lien avec les vidanges d'huile de boîte que je vous ai parlé, en vous parlant que les huiles se chargeaient d'humidité et donc qu'il était important de vidanger son huile de boîte. Dites-vous que sur la Maserati, le liquide il a 8 mois et il est déjà moyen. Alors imaginez sur une huile de boîte qui certes capte un petit peu moins l'humidité, mais une huile de boîte qui a 20 ans et 200 000 km. Imaginez un petit peu l'état de dégradation de cette huile, sachant que oui, il y a une mise à l'air sur les boîtes de vitesse. Donc oui, elles ne sont pas étanches et donc elles sont au contact de l'air qui lui est humide. Donc voilà, c'était une petite aparté pour faire un lien sur les huiles de boîte de vitesse. Mais en tout cas, pour moi, ça c'est vraiment l'outil indispensable que tout le monde devrait avoir dans sa voiture. Et pour moi, c'est bien plus important que d'avoir une ampoule qui grille sur sa voiture. Je ne comprends pas que ce petit objet-là ne soit pas, entre guillemets, obligatoire. Tout simplement parce que je suis sûr que sur 90% des véhicules qui roulent à l'heure actuelle, 90% sont entre jaune et rouge sur leur véhicule. Tout simplement parce que personne fait attention à ça et c'est extrêmement important. Moi, j'ai déjà acheté des véhicules d'occasion qui avaient plus de 10 ans et qui avaient 10 ans avec le même liquide de frein. Donc, tant que tout va bien, vous faites un usage, je dirais, soft des freins, parfait. Demain, vous faites un usage un petit peu plus sport, vous allez vous rendre compte qu'il y a comme un petit problème dans le freinage. Et si demain, vous avez malheureusement, je ne sais pas, sur autoroute, vous roulez un petit peu plus vite, quelqu'un a un accident devant, vous devez piler, les freins vont chauffer extrêmement. Et si vous perdez les freins parce que votre liquide est dégradé, et bah, malheureusement, c'est au mieux du dégât matériel, au pire du dégât physique. Donc faites attention quand même à ça, ne négligez pas cette partie-là sur votre véhicule. Ça va pas chercher loin, cet appareil-là vaut maxi 12 euros sur internet. Faire vidanger un liquide de frein, ça va pas vous ruiner et c'est vraiment important. Si vous savez le faire, faites-le. Si vous savez pas le faire, faites-le faire. Mais ne négligez pas cette partie-là sur votre voiture. C'est extrêmement important, j'insiste là-dessus. Voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, le garage a été entièrement repeint. J'espère que cette vidéo vous aura montré un petit aperçu du garage et donc de l'effet lumineux maintenant qu'on a à l'intérieur. Il y a énormément de choses qui vont changer sur la chaîne, énormément, on va passer sur plein d'autres choses, on est en train de voir pour plein de projets, je suis en train de voir pour des fabrications de textiles pour ceux que ça intéresse, donc textiles, t-shirts, casquettes, bonnets. Ici on va un petit peu customiser le garage, ici on va faire des grandes bâches, donc des bâches bien évidemment pas des bâches de remorque, hein. Mais des bâches publicitaires qui sont pas vraiment de la publicité parce que ce sera tout simplement le logo de la chaîne YouTube. Donc il y en aura une ici et une sur le mur ici. Ça va permettre un petit peu d'habiller le garage, de rendre les choses plus sympas et ça va faire plus joli à la caméra, ça va rendre le truc un petit peu plus accueillant. Et voilà, je rencontre pas mal d'abonnés de plus en plus, vous êtes nombreux à venir me voir et ça me fait extrêmement plaisir, que ce soit chez moi, dans mon garage ou bien quand je sors faire du karting ou autre. Et franchement, c'est super top, c'est à chaque fois des belles rencontres. Donc pour moi, il est normal de vous améliorer un petit peu le contenu, de vous améliorer l'audiovisuel. Donc l'audiovisuel, ça passe par l'audio, donc là je suis au maximum, j'ai un micro déporté, etc. Par contre, le visuel, ça passe par la qualité de la caméra, qui là, je suis encore au max parce que je suis en 4K. Mais par contre, ça passe aussi par l'environnement. Et l'environnement, là, il y avait un petit peu de boulot parce que je vous rappelle qu'ici, avant, c'était des poulaillers. Donc, l'établi initialement ici, c'était des clapiers à lapin que j'ai tout déglingué. J'en ai fait un établi complet et je peux vous dire que c'est du solide.
Ici, j'en ai retiré un pour stocker ma grue, mes rampes, etc., ma servante, pour pas avoir en fait de bazar le long des murs. Je suis assez maniaque, j'aime bien quand c'est rangé. Et en fait, ici, vous aviez un mur ici, donc c'est pour ça que vous avez une poutre. Et pareil de l'autre côté. Donc vous avez les lapins ici et les poules sur les deux compartiments là-bas. Donc on a abattu les murs, on a renforcé la charpente. C'est pour ça qu'il y en a certains qui me disent ouais, c'est pas très propre, ça a été des poulaillers à la base. Et c'est un garage, c'est pas une maison. Donc pour faire de la mécanique, j'ai envie de dire tant que c'est propre, ça me va parfaitement. En plus, c'est rangé, j'ai l'électricité, je suis équipé plus que bien, je m'équipe au fur et à mesure. Donc franchement, moi je suis très bien pour bosser ici. Ce qui me manque, c'est la fosse. La fosse va arriver, elle était prévue cet été, mais on a eu un petit contretemps. Donc elle va arriver courant septembre, j'espère, je croise les doigts. Et après, ce sera surtout niveau de décoration qu'on va améliorer. Donc, je vous dis deux bâches de prévu. On va essayer de faire des drapeaux, des trucs comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me les dire pour la décoration et j'en prendrai compte. Bien sûr, faites attention au niveau budgétaire. Me dites pas de mettre un V12 comme établi. Hein. J'ai pas le budget pour. Je suis un particulier. Je ne vis absolument pas de tout ça. Je travaille toute la semaine pour financer donc mes frais personnels. Donc donnez-moi des idées, mais bien sûr pas dans la démesure, je compte sur vous, vous commencez à me connaître maintenant. Je suis quelqu'un de simple, mais je suis prêt à faire beaucoup pour améliorer cette chaîne qui à la base était une chaîne vraiment simple, je dirais basée sur la copinade. Et finalement ça a pris une ampleur que j'aurais jamais pensé et on se retrouve à 23 000 aujourd'hui. Donc pour moi c'est normal de vous rendre un petit peu ce que vous m'avez donné et donc ça commence par tout ça. Et bien écoutez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous conseille une fois de plus de vous procurer ce type d'appareil là, ça coûte pas grand chose, ça peut sauver des vies et ça peut surtout vous aider à savoir quand est-ce que vous devez faire l'entretien de vos liquides de frein. Et puis nous on se retrouvera déjà dans une vidéo pour le changement de liquide de frein de ce véhicule là, pas tout de suite parce que là je vais clairement pas le temps, je vais essayer courant septembre de vous faire ça. J'ai quelques vidéos tutoriels d'installation éthanol à vous mettre également, mais je fais une petite pause pour pas vous en mettre toutes les semaines non plus parce que je comprends qu'à un moment ça vous saoule. Mais c'est des vidéos qui aident énormément de gens parce qu'il y a énormément de gens qui souhaiteraient passer à l'éthanol et donc mes vidéos leur permettent de le faire eux-mêmes. Donc c'est pour ça aussi que j'en balance un petit peu dans le contenu. Je vous ai fait une petite pause là, je pense que semaine prochaine il y aura un nouveau tuto éthanol qui va sortir. Il y a des tests produits qui doivent arriver, j'ai énormément de sujets techniques que vous m'avez proposés, donc je rappelle que les sujets techniques c'est le mercredi, vous me proposez vos sujets, je les note, je les travaille et je vous en fais une vidéo, on a dû dépasser les 35 sujets donc j'ai de quoi largement faire, mais c'est pareil, n'hésitez pas le mercredi à me mettre vos commentaires pour de nouveaux sujets si je les ai pas encore mentionnés et surtout soyez patient, je vous ai dit il y a plus de 30 sujets donc ça va de soi que je vais pas vous sortir les 30 en une semaine. Donc sachant que c'est une par semaine, 30 semaines, voilà. Il y a beaucoup de sujets qui reviennent, donc vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous réponds pas que je n'ai pas noté, c'est tout simplement parce que le sujet fait déjà partie de la liste. Voilà, et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu, je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Les autres, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à lâcher un petit pouce bleu. Allez, bye bye.